J'avais déjà commencé à faire un petit peu de dessin quand un jour, au cours d'un déplacement sur l'île, j'ai eu l'occasion de voir le travail d'un autre artiste qui utilisait... j'avais trouvé que le rendu était vraiment très très beau et j'ai regardé de près comment il avait fait. En fait, quand je regarde un tableau ou une œuvre d'art, j'aime bien coller mon nez pour voir un petit peu comment les choses se font. Et en fait, je me suis dit que en fait, il travaillait avec le papier et que le procédé m'a paru simple et reproductible et je me sentais tout à fait capable de le refaire. Et donc en fait, quand on est rentré de ce week-end, on est allé dans un magasin de bricolage et puis on a acheté des planches de médium, des chutes. Et moi j'avais déjà des papiers parce que j'ai déjà une affinité pour le papier depuis un bon moment. J'aimais bien, c'est une matière que j'aime, j'aime le toucher, sans savoir ce que j'allais en faire, je savais qu'un jour j'allais m'en servir, comment, quand, je ne savais pas, mais en tout cas j'ai stocké du papier ou j'ai acheté du papier, voilà. Et donc en rentrant de ce fameux séjour, hop, on s'est lancé, on s'est un peu lancé avec ma fille Lucille comme un petit atelier créatif. Et puis, j'ai vu que le résultat était là, que voilà, c'était facile. Et voilà, ça m'a donné l'idée d'utiliser des couleurs qui me plaisaient plus. Donc j'ai commencé à acheter du papier vraiment dans l'optique de créer ce genre de collage en trois dimensions. Et de réaliser des voilà. œuvres d'art. De réaliser, oui, je ne sais pas si on peut appeler ça des œuvres d'art, mais en tout cas, moi, ça me plaisait, le procédé me plaisait, couper, coller, assembler, ensuite venir enlever les petites imperfections, rajouter un petit peu de peinture, enfin voilà, moi, ça m'a... J'ai un peu improvisé la technique par rapport à ce que j'avais dans la tête, et puis j'ai vu que ça fonctionnait, donc... Voilà. D'accord, merci Carole. C'est une opportunité qui m'est offerte par Peter. Moi, j'ai pas spécialement envie de vendre mes créations parce que pour l'instant, je vis avec, c'est mon décor. Je commence à avoir plein de choses, plein de collages, plein de dessins, et puis pourquoi ne pas les montrer. Voilà, donc j'ai répondu à Peter favorablement. Donc ça me fait un petit peu peur d'exposer mon travail, mais... je me dis pourquoi pas faire connaître ça, et puis pour l'instant ça dort ici dans la maison, ça dort aussi dans des carnets, et j'ai plein de choses, donc pourquoi ne pas les montrer. Voilà. Bon, Carole, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi et de
de ce que t'apporte cette activité nouvelle, ce que ça te procure. Ce que ça me procure, eh bien ça me calme, ça me canalise et puis ça me rend un petit peu fière de moi aussi. C'est bon pour l'estime de soi. Déjà moi ça me plaît. Après je sais pas si c'est un travail qui peut plaire, mais à la limite c'est pas grave. Moi en tout cas ça me plaît et ça me plaît de vivre avec mes créations. Je me suis toujours considérée comme quelqu'un de manuel. J'ai toujours eu une attirance pour le dessin. Quand j'étais toute petite, j'ai pris quelques cours de dessin et puis je reproduisais des photos comme ça en dessin, des photos de mon entourage. Le dessin c'est un truc qui me plaît, mais donc ensuite moi j'ai fait mes études et j'avais pas forcément le temps ni de faire du sport ni d'avoir un loisir. Créatif régulier et puis voilà donc ça fait quand même quelques années que j'exerce mon métier et dans une phase très stressante, une phase professionnelle très prenante, chronophage, j'ai eu besoin de d'abord de dessiner, je me suis lancée, voilà, des petits projets, j'ai pris des bouts de papier, j'ai fait, je me suis dit, bah tiens, ça me plaît, ça me calmait. Et puis le papier, lui, c'est venu un petit peu après. En quelle année as-tu commencé ? J'ai commencé à dessiner, vraiment à collectionner mes petits dessins en 2018. Mais bon, voilà, à côté de ça, il y avait cet amour du papier et puis donc cette rencontre déterminante avec un artiste qui avait lui aussi utilisé du papier. Et puis voilà, je me suis lancée, donc ça fait quelques années maintenant que je fais des collages, que je fais des dessins. Ça me fait du bien. Moi, professionnellement, je suis pas du tout, je viens pas du tout du monde artiste. J'ai aucune formation. Je suis tout à fait autodidacte, mais manuelle, minutieuse. Et passionnée, je pense aussi avoir un petit peu de goût pour les belles choses, donc du coup voilà, tout ça conjugué, ça donne ce travail. Alors ce nouveau projet, je l'ai en tête depuis un petit moment, donc en fait l'inspiration, c'est des images qu'on peut voir autour de soi. Je fouine aussi sur des sites, des magazines. Donc ce projet, je l'ai depuis un petit moment en tête. Et puis, il y a ce papier aussi que j'ai acheté lors d'un voyage au Japon. Donc j'avais déjà commencé mon activité de collage. Les Japonais sont quand même réputés pour leur papier. J'ai acheté au hasard des feuilles de papier en me disant un jour j'en ferai quelque chose. Et puis voilà, ce jour est arrivé. Donc j'ai fait un premier collage où j'ai utilisé des bandes plutôt des bandes linéaires. Ça ressemble un petit peu au précédent travail que je fais. Donc là, voilà, j'ai voulu changer un petit peu le volume, la représentation, et toujours utiliser ce papier. Donc ce papier-là, il est un petit peu texturé, il fait penser un petit peu au bois. Et donc il a fallu que je crée la couleur du support. Donc j'ai utilisé une peinture bleue que j'ai déjà utilisée dans ma maison. Et puis en fait, en rajoutant un petit peu de pigment, petit à petit, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la couleur du papier pour
faire une création unitonale. Voilà, l'idée c'est ça, c'est l'unitonale et puis le relief. Donc j'ai fait des essais de teinte. J'ai utilisé une autre peinture en dessous, mais le contraste avec le papier est pas si beau. Donc là, pour l'instant, je peux pas lever le tableau parce que en fait, pour l'instant, tout est posé. J'ai pas encore collé. Mais donc je vais d'abord créer mon visuel et ensuite je collerai mes petits cubes de papier en fonction de ce que j'ai dans la tête. Voilà. Ton travail se révèle en fait avec la lumière. Les ombres et la lumière jouent beaucoup sur le rendu. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est intentionnel ou pas? Oui, il y a des petites nuances sur le papier. J'ai amené aussi des petites nuances argentées ou dorées, oui, pour jouer aussi avec la lumière. Le fait que ce soit un travail en relief, forcément, on crée aussi un jeu avec la lumière. On peut voir aussi une représentation un petit peu différente en fonction de l'endroit où on regarde ces créations en 3D. Là, j'ai pas du tout la même représentation que si je le regarde purement de face. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est cet effet de volume. Alors celui-là. Alors les lignes, les courbes, voilà, ça c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Le rond, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Alors j'ai trouvé deux plaques de médium, ça c'est un petit peu le hasard de la boutique de bricolage. J'ai trouvé deux plaques de médium qui étaient identiques et donc je me suis dit que j'allais faire un diptyque pour recréer un rond. Et puis donc diptyque, je me suis dit que j'allais apporter des nuances au niveau de la peinture sur la tranche du papier. Donc l'argenté, le doré, voilà, c'est ces deux nuances qui sont en perpétuelle opposition. Et donc du coup, je les ai unies sur le tableau pour donner ce rendu. Donc une partie argentée et une partie dorée. Le noir, c'est une couleur que j'aime beaucoup parce que je trouve ça très, très élégant. Et donc voilà, ça matche bien l'argenté, le noir, le doré, le noir, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors celui-ci fait partie aussi des premiers. Ça, c'est du papier que j'ai donc d'abord coupé, que j'ai ensuite froissé. Que j'ai ensuite teinté à la bombe donc pour l'extrémité et puis et ensuite collé toujours en une sorte de mouvement. Voilà, donc le papier était tout ce qu'il y a de plus simple, mais en fait j'ai voulu lui donner de la matière en le froissant et en le retendant ensuite. Alors celui-ci, j'ai utilisé un magazine de décoration parce que la décoration c'est quelque chose que j'aime, qui me touche. Et c'est aussi du papier. Là, c'est aussi, le magazine c'est aussi du papier qui est facile à travailler. Voilà, j'en ai fait toujours sur le même principe des lames de papier. Et j'ai fait à côté de ça des petits rouleaux
des petits rouleaux que je suis venue positionner quasiment au bout de chaque lame. C'est aussi des dessins que je fais. J'ai des dessins qui représentent déjà ces formes-là. Et donc, du coup, bah, j'ai voulu m'essayer en 3D, en fait, sur ce principe. Je peux peut-être montrer le dessin qui correspond à ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien entre mes dessins et mes créations en 3D. C'est que j'aime les lignes, j'aime les points c'en est un exemple. Ça, c'est un dessin que j'ai fait. Alors c'est très rapide à faire. Et puis voilà, je me suis dit je vais le reproduire sur un tableau. Voilà, ça fait le lien entre mes dessins et mes créations. On retrouve toujours ces lignes, ces courbes. Tu peux le mettre un petit peu à côté qu'on voit. Ah ouais. Ouais, c'est bon. Un autre exemple, donc le côté linéaire et puis toujours les petits points. Voilà, ça fait le lien entre le dessin et le tableau. Alors celui-ci m'a pris beaucoup de temps parce que en fait il faut donc alors je suis toujours partie sur les lames de papier, mais que là j'ai coupé en beaucoup plus petit et puis j'ai voulu créer cet aspect un petit peu de pétales. Oui, de pétales, ça sera plus parlant. J'ai rajouté un petit peu de nuance en choisissant deux papiers différents. Et puis après, il a fallu juxtaposer tous les morceaux de papier pour qu'on voit le moins possible le support du fond. Donc voilà, c'est l'ordre dans le désordre.